Ah, c'est formidable, oui, vraiment, naturellement, on est content. Hein. Mais je voulais reprendre quelque chose de tout à l'heure. Là, vous avez parlé de descente. Ce qu'il faut se rappeler quand même, c'est qu'on est descendu le dernier match. Il fallait qu'on gagne 8 contre Aix. Il fallait qu'on gagne par 8 buts d'écart. Et on a gagné que 8 à 1. Et on est descendu d'un but au goal average. Et c'est... À égalité avec Lens, oui. On est descendu à cause de ça. Ça nous a permis, bien sûr, de flamber l'année suivante. Hein, Ah, vous avez fait exprès. Ah, ben, tout le malheur est bon, des fois, quelquefois, ça marche bien. Hein, ouais. C'est pas tous les jours qu'on gagne 8, hein, et puis on se fait quand même reléguer. Ah, surtout, oui, c'est vrai qu'on a fait une super saison cette année-là, mais quand même, on avait la même équipe qui avait fini 3e du championnat de première division. Donc, on avait une équipe très forte. Hein, je sais pas pourquoi on a faibli comme ça dans cette deuxième saison, mais c'était assez étonnant quand même. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on était quand même... On était au bout de 3 matchs l'année où on est descendu, on était en tête du championnat, et j'en parlais tout à l'heure à Mignot. On a perdu, on était en tête, on avait 6 points, puisqu'on avait 2 points par match, on avait 6 points, et lorsqu'on a été joué à Lyon, on a quand même pris 8-2, je crois, ou 8-0, alors qu'on était en tête du championnat de première division. C'était une drôle d'équipe, hein, franchement, ouais. Les gars.